promettrait un 90 plus. Ouais, c'est l'orgie. Exceptionnel. C'est joli, hein, comme l'heure, regardez-moi ça. Les couleurs de fou. L'heure, il est défoncé de partout. Oh, c'est massif, là. C'est massif, c'est malade. Je sais pas ce que c'est, mais ça c'est vraiment gros. Hein. Putain, je peux rien faire. Yeah. Ouais, boisson l'âne, boisson. Ok, j'ai mon maître. Je l'ai, mon poisson maître. Boum. Alors aujourd'hui, les leurres que je vais utiliser sont les leurres de la marque Hostage Valley. J'adore pêcher ici à Paris Predator Fishing pour tester justement des leurres et des nouveautés la plupart du temps. Alors ici, c'est des leurres que je possède déjà depuis un petit temps. Alors le fleuron de la marque, c'est ce leurre-ci. Donc c'est le Hostage Valley Shad. Ensuite, ils ont sorti un deuxième modèle qui est le Hostage Valley Trouble Tail. En fait, c'est la paddle à l'arrière qui est complètement différente, c'est pas un shad. Et alors ici, récemment, ils ont sorti encore un nouveau modèle, c'est le Hostage Valley Curly, donc la version Curly. Aujourd'hui, moi je vais clairement pêcher, je pense que je vais commencer à pêcher avec probablement des leurres qui sont plutôt vibrant et qui déplace beaucoup d'eau, donc je pense notamment au shad et au trouble tail, et puis si besoin je passerai sur des modèles curly, bien que sur ma canne il y a déjà un curly, alors je ferai peut-être quelques premiers lancers avec le modèle curly. Ça y est, il est arrivé, il est là le Tanguy. Ça c'est pas la classe comme voiture pour débarquer à la pêche. Salut Tanguy, ça va et toi? Ça va, nickel. Allez, on monte dans le bateau et on vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Moteur tout neuf électrique, bah on va en avoir besoin parce qu'avec le vent qu'on a aujourd'hui, mon cher Tanguy, toi en tant que capitaine, tu vas galérer. Hein. Pour pêcher aujourd'hui, on va plutôt pêcher avec des gros leurres parce que comme vous pouvez le voir, il y a du vent, donc on va vraiment essayer de déplacer beaucoup d'eau, un peu plus que ce qui bouge déjà, créer des vibrations, enfin bon, voilà. On va partir avec Tanguy, un gros shad de 23 cm. Ouais. Donc 23 cm et moi, même chose, 23 cm. Moi je pars sur une version curly, donc je vais essayer avec un peu moins de vibration que Tanguy. On va voir ce que ça donne. Alors ici c'est un leurre Hostage Valley, regardez ses yeux, il est vraiment impressionnant. Ça fait 23 cm mais c'est curly donc... Et on a deux coloris totalement différents. Ouais. Moi, j'ai Toi, j'ai un coloris fluo et moi je suis sur un répliquant tout noir. Et c'est parti pour la pêche, j'espère que ça va donner. J'ai mis ma casquette bleue moi les gars, donc est-ce que ça va me porter bonheur? Ça fait longtemps que je la mettais plus. Ça va peut-être changer la donne, on le sait tous, la casquette bleue elle a apporté des gros poissons, donc espérons qu'aujourd'hui, elle remette le couvert. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça c'est vraiment gros. Hein. Ah d'accord. Oh là, il y a cette touche de malade sur la descente. Oh, oh la touche de malade, mec, c'est un truc de ouf. Là, il y a gros fiche. Oh. Putain, je peux rien faire. Je coupe le moteur. C'est bon. Oh. Putain, le poisson de dingue. Putain, mais elle a pris sur la descente, ma frame, tu sais, comme les sondes, là, les grosses touches là. Regarde. Moi aussi, j'ai mon maître. Je l'ai, mon poisson maître. Boum. Ouais, ah, là, il y a un gros fiche. Hein. Putain, mais j'ai senti direct la lourdeur. Et là, il y a un poisson maître. Là, les gars, je vous dis, il y a un poisson maître. Et la largeur de ce poisson, c'est juste abusé quoi. On va le mettre sur la toise. Je vais le mesurer du coup dans le bon sens.
la queue touche le zéro. Et on a un poisson qui fait 106. 106. 106 ou 107, je sais pas. C'est terrible. 106 ou 107. C'est terrible ce qui nous arrive. 106 ou 107. Regardez-moi la taille de cette bouche. Et vous vous rendez compte qu'il m'a tapé mon curly sur la descente comme le font les cendres. C'est juste pas cette vachette, quoi. Quelle journée de dingue. Alors là... je suis vraiment aux anges et impressionné, quoi. Je sais pas si c'est la casquette bleue ou tout simplement Paris Predator Fishing. Impressionnant. Allez. Tanguy, bravo. Ce soir, champagne. Hein. Champagne. Moi, j'ai complètement changé de technique de pêche parce que on avait quand même repéré une zone où les poissons étaient assez fort concentrés. Et donc, moi, j'ai remis ma version curly. Mais ici, en petite taille, bon, il y a du vent, alors vous pouvez le voir, il bouge un petit peu. C'est la petite taille, donc qui fait, je pense, 18 cm avec la queue. Donc, c'est vraiment pas un gros leurre. Et j'ai changé, je suis passé sur une canne spinning. Ici, là, c'est la solution Statement en 20-80 grammes. Donc, une canne qui est clairement adaptée en puissance pour pêcher le brochet. Et avec cette canne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pêché près du fond, décollé et retombé. Et en fait, le brochet est venu me l'attaquer sur la retombée. Alors, vous imaginez une touche d'un brochet de 106 ou 107 cm comme ça sur la retombée. C'était juste hallucinant, quoi. J'ai senti une touche énorme en ferrant la lourdeur directement. Là, je savais que j'avais un très gros poisson au bout de la ligne. Donc, on a Tanguy qui fait des poissons en linéaire avec un leurre de 23 cm et moi avec un leurre de 18 cm en décollé, retombé. Boum, quoi. Poisson l'âne. Ouais, poisson, yes. Je prends la grande, cuisette. C'est un beau. Le répliquant 23 là. Ah oui, ça a l'air d'être un beau poisson. Ok, de mon côté, je suis prêt. Ouais, il y a beaucoup de têtes. Ouh. 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 Ouh, c'est massif de ouf! C'est massif de malade, mec. C'est un poisson de malade. Waouh. T'as le premier poisson en bateau, mais un truc de malade. J'en reviens pas. Yes, c'est... Voilà. Voilà la version 2 de la vidéo avec les grands poissons. T'as Tanguy, là, t'as... Ils ont grandi depuis un mois. Là, il y a 110, presque. Oh, la vachette, quoi. Il y a quasi 110, quoi. Répliquant, jointed, noir. Regardez, c'est terrible. Brochet. Wow. Une de ces largeurs de malade. Le dos, il fait 15 cm. Abusé. Regardez-moi la taille, quoi. Wow. Regardez ma main, c'est juste abusé la largeur de ce poisson. Allez. Wow. Je le remets dans l'eau. Yes. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Allez, ciao. T'as le premier poisson en bateau, il fait mal, hein, déjà. Ça annonce une belle vidéo. Mon Dieu, truc de dingue. Que des émotions. Mais non, quoi, c'est un truc de dingue. Il mesurait vraiment 110 cm, c'était juste dingue, quoi, waouh. Non, mais avoue quand même que... Pêcher 15 minutes et faire un 110 cm en 15 minutes, c'est juste abusé, quoi. Et tu sais quoi, Lan, je vais te faire une confidence. Ouais. C'est mon record sur le domaine. 110, c'est ton record. J'étais à 107 sur le domaine. 110, c'est record domaine. Bon, on va fêter ça, ouais, apéritif. Apéro. Ouais, champagne. Bon, allez. Ouah, abusé. À ton tour maintenant. Bon, ben si en 15 minutes on déclenche 3 poissons, moi je pense qu'il y a encore moyen d'en faire. Donc, hop, c'est reparti. Et toi, je le fais là au milieu de nulle part. Hein. Ouais, tu l'avais fait. Ah ouais, tu l'avais fait là. Je l'ai fait là, j'avais jeté là, ici. Ah ouais. Je l'avais jeté à peu près dans ce truc-là, on est jeté un peu plus là. Je l'ai fait là, quelque part devant nous. Abusé, quoi. C'est même pas dans les branchages.
Poisson. Poisson, mais non. Abusé. Abusé. Ah, quand la pêche est comme ça, la pêche est chouette, hein. Est-ce que je dois sortir la grande épuisette? Tu peux sortir. Oh merde, c'est un gros. C'est encore un mètre. Non, il est pas mètre. Il est beau poisson quand même. Ouais, par rapport à celui d'avant, ça, c'est pas c'est du tout. C'est pas du tout le même, mais bon, c'est déjà gros. Ah, il est quand même pas loin du mètre, hein. Il est quand même pas loin du mètre. Alors, verdict? 90. 90. Tranquille. Bon, il est petit, celui-là, il est petit. C'est un petit vif. Mais après, celui qui est de 110, il paraît petit, mais... C'est vrai. Non, mais non. On aurait pu l'estimer à 60. C'est pas un petit brochet, ça, hein. Là, il y a poisson. Allez, remise à l'eau. Hop. Mais ça va, 200 cm en deux poissons. Ça, c'est fait. C'est fait. Allez, ciao. Il est reparti. Bien joué, Tang. Allez, fais une petite pause. Donc, c'était plus ou moins là. Je t'ai montré où c'était. Voilà, c'est là à peu près. C'est plus ou moins là. Faut dire que j'ai pas le temps de lancer, quoi. Je vais faire mon premier lancer. J'arrive pas encore au fond. Poisson. Je pense que la casquette bleue porte bonheur, elle apporte du bonheur pour toutes les personnes qui sont autour, pas que pour le porteur. Hein Tanguy? Nouveau record, 110 sur le fer. Alors la vidéo 1 qu'on a fait, Tanguy a déplacé un brochet qui devait faire 120, qui est le poisson à peu près historique de cet étang parce qu'il est là depuis très longtemps et jamais personne l'a attrapé. Il est un gros mangeur de basse. Et donc il a déjà été aperçu quelques fois et là on l'a aperçu aussi, il est monté quasi jusqu'au bateau. Donc on sait qu'il y a un poisson qui fait plus ou moins 120 cm aussi ici, c'est juste... Ah, c'est grave, parce que là le logement il est juste devant. Et ouais, il y a moyen de pêcher des brochets depuis la terrasse quoi. Parce que la terrasse là, elle donne sur l'eau, quasi. Hein. Quasiment, ouais. C'est 1 mètre, 1 mètre 50 devant. Ok. J'imagine s'il y a un black bass dans les gros trucs. C'est ça, de 50 qui sort là-dessus. C'est dingue. Quand les canards volent de travers, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Je les vois voler comme ça là, tu vois. Je crois qu'il y a un arbre, ça marche pas de ça. Poisson. Ah, yes. C'est pas un poisson de 50, hein, je le dis. Mais ça a pas l'air d'être immense non plus. Ah, il y a quand même poisson sympa à la clé. Hein. Ah non, pas trop. Un poisson, mais il est. Putain, il est combatif. Hein. Il est combatif. Wouh, yes. Je pense qu'on a atteint 5 mètres de poisson là au final. Je suis passé avec le curly de nouveau et il me l'a pris de nouveau à la descente. Là, on a vraiment deux techniques de pêche complètement différentes, hein, et finalement ça marche. Alors il est temps pour moi de changer de leurre pour quelque chose qui fait beaucoup plus de vibrations. Donc je passe sur la version Trouble Tail, donc c'est la version qui déplace énormément d'eau. Parce que Tanguy il déplace beaucoup d'eau, il a quand même, sur 15 minutes on sait peut-être pas trop, mais il a quand même fait plus de touches que moi. Et ici il n'y a pas beaucoup d'eau, une partie du lac est un peu moins profonde. Ah, ça va être un peu galère, mais crois-moi, je sais qu'il y a des poissons à faire ici sur face au lac. Ouais. C'est galère pour toi en tant que capitaine. C'est galère. On va pouvoir pêcher la baie ici. Limite, on aurait pu pêcher du bord aujourd'hui. Poisson? Ah ouais, cool. C'est gros? Ouh. Ah là, il y a un gros poisson, je vais sortir l'épuisette. Là, c'est lourd, Lan. Mais c'est lourd, ok. Ouais. Okay. On va pas déconner, j'arrive. Je prends la grosse épuisette. C'est quoi ce bazar?
Mais non, mais c'est quoi cette journée de dingue? Oh là 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 là, mais oui, il y a encore un client. Vas-y, moi je crois qu'il y a le maître. Ah, quoi que. Et on a... Ah, c'est où là le maître? On a 101. 101. Troisième maître, mec. Mais non. Et il est nouveau, mais gros comme jamais, quoi. Mais quelle journée. Oh, c'est volume 2, mais jamais on aurait imaginé qu'il allait être comme ça, hein. C'est terrible. Impressionnant. Oh, et il était pressé de repartir. Hein. Oh là 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 là. Check. C'était. Et on a qu'une demi-journée de pêche, mais là, franchement, on a fait déjà mieux que une semaine de pêche, job, quasi, quoi. Avec 3 mètres au bateau, quoi. Mais non. C'est exceptionnel. 3 mètres et un 90 plus. C'est... Ouais, c'est l'orgie. Exceptionnel. Comme quoi, le vent, c'est chiant pour le pêcheur, c'est chiant pour lancer, pour les leurres. Par contre, pour le poisson, c'est exceptionnel. Ouais, c'est fou. Une demi-journée de pêche. Mais moi, j'avais jamais eu une journée pareille, quoi. Enfin, une demi-journée pareille. Incroyable. De l'action, de ouf. Et puis, 3 mètres, quoi. Trois mètres, c'était ouais. Juste incroyable. C'est clair. Impressionnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a vraiment kiffé la demi-journée. Et là. Je crois qu'on fait 317 cm. 317 cm en 3 poissons, c'est juste incroyable, vraiment incroyable. 317 cm. En tout cas, bah, bravo, votre concept de transformer cet étang en étang de pêche à brochet et à gros brochet avec un beau potentiel, avec une belle famille de brochets, je veux dire, qui comble ces lieux. Bah, c'est vraiment réussi, donc vraiment bravo en tout cas pour ça. Et, ouais, j'ai hâte de voir aussi les résultats futurs que ça donnera, parce que je pense que vous allez continuer encore à rajouter des gros poissons, on va, etc. On va remettre des gros poissons, bah, il faut qu'on alimente. En fait, vous faites une tournante avec voilà, les poissons. On met toujours du poisson en permanence, puisque ouais. Bah, tout le monde vient pour attraper des gros poissons chez nous. Bien sûr. Ouais. Donc on les met, on y prend soin, on les chouchoute. Et puis bah, on arrive à avoir des très très gros poissons comme ça. Clairement, ici on est en zone privée, on n'est pas en zone publique. Donc ça change déjà la donne. Ici on est en hiver et donc on est en période de fermeture dans plein de départements différents. Donc y a plein de départements où on ne peut plus pêcher. Les étangs privés sont une bonne solution pour pouvoir continuer à pêcher si on le veut. C'est un très bon endroit. Moi par exemple aujourd'hui j'ai testé pas mal de leurres pour les valider sur les brochets. Ça me permet de tester mes techniques, de valider mes leurres, voir comment les plomber, voir quelles sont les réactions des poissons. Donc c'est un très bon endroit de pêche aussi pour pouvoir tester son matériel de pêche. Et puis après, c'est un très bon endroit pour se faire plaisir aussi. C'est clair. À la pêche, quand on est content, c'est quand on a des touches et qu'on a de l'action. Ici, là, clairement, de l'action, il y en a eu, beaucoup. Quoi. Et c'est ça, là, c'est l'avantage du coup que nous, on est ouvert toute l'année, même pendant la période de fermeture. Okay. Et on ferme seulement juin, juillet, août, en gros, grosso modo, sur les grosses périodes où ça risque d'abîmer, de faire mourir nos gros poissons avec la chaleur. Ouais. Et du coup, on est ouvert pendant la fermeture et il y a de la population de poissons qui est là. Donc, comme tu dis, c'est pratique pour tester des leurres, c'est pratique pour modifier ses techniques. Hein, quand on a besoin des fois de reprendre confiance aussi, c'est important ça. Il y a des gars qui ont besoin de reprendre confiance, de retoucher du poisson, des gros poissons, etc. Donc on a ce qu'il faut ici pour ça. Et vous avez au total 5 étangs sur le domaine. 5 étangs où il y a du brochet. Où il y a du brochet. Ouais. Et toi, tu es guide de pêche aussi. Donc pour ceux qui débuteraient la pêche ou qui ont envie de découvrir cette technique de pêche, c'est aussi possible d'avoir des guidages, de prendre une prestation de guidage supplémentaire. Donc forcément, les tarifs sont différents en fonction de si vous venez juste pêcher, si vous pêchez, loger, etc. Enfin bon, il y a plusieurs formules disponibles. Vous pouvez aller voir ça sur le site internet. Ouais, ou nous faire un petit mail en passant par notre site et puis nous, on peut répondre à toutes les questions. D'accord. Le mail, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez besoin de plus de renseignements, vous n'hésitez pas à contacter. Et puis laissez-nous aussi un petit commentaire, un pouce en tout cas pour les beaux poissons qu'on a pu sortir aujourd'hui. Là, il y a du lourd. Journée tempête, on a clairement montré que journée tempête, dans des endroits où on sait que la quantité et la qualité du brochet, elle y est, ça a clairement fait une grosse différence. D'ailleurs, tu as battu ton record, donc on prend une petite coupe de champagne. Et battu mon record uniquement sur le domaine, pas le record général.
C'est quoi ton record général, toi Je suis à 112 sur la Seine. 112 en Seine, ouais, wow, 1m12 en Seine, incroyable. Et là je viens de faire 1m10, alors que j'étais bloqué à 1m7 depuis des mois et des mois en arrière. On vous dit à la prochaine et on va tourner une autre vidéo que vous allez pouvoir découvrir dans 2 semaines. Et cette vidéo-là, donc on va pêcher demain, en fait, tout simplement. Nous, donc vous allez pouvoir vous la découvrir dans 2 semaines. Et c'est une vidéo test, en fait. On va vraiment essayer 3 choses différentes. On va prendre le même leurre en 3 tailles différentes. On va être 3 pêcheurs. On va chacun pêcher avec une des tailles de leurre. Et on va voir un petit peu comment les brochets réagissent. Donc ici, on sait que les brochets y sont. Donc on va voir si les brochets préfèrent manger des proies de 7,5 cm, 10 cm ou 12 cm. Vous allez pouvoir découvrir ça dans la prochaine vidéo. Et nous, on vous dit en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.